Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est un petit peu une vidéo surprise pour vous. On sait déjà ce qu'on va faire. Donc là on va chercher quelque chose. On va chercher un colis. On est en point relais là. On a une petite boutique de pêche. Donc on va chercher un colis et puis c'est une surprise. Voilà. Oh, bah non, on va l'ouvrir en vidéo. Ah d'accord. Donc voilà, le carton est bien arrivé. Merci à Régis qui nous l'a vendu. Ouais. Faut aller chercher un truc pour ouvrir. Non, on va l'ouvrir à la maison. Oh. Ah bah oui, comme ça on va le monter puis on va aller vite fait l'essayer. D'accord. Bonjour. C'est le colis qui vous parle. Non, c'est moi. Voilà, on est à la maison. Donc on vous dit pas pour l'instant c'est quoi. Ouais, on va l'ouvrir en vidéo. Voilà. Ok. On a tout enlevé. Et voilà. Donc on se retrouve avec une bonne grosse couche de journal. C'est la fouille au trésor. Qu'y a-t-il dedans? Ah, des nous. Mais elle est par terre, on les ramasse. Ouais. Il y avait bien un bout de polystyrène au cas où. Hein. Ah bah oui, hein. Il est un peu cassé, mais c'est un cadre. Attends, tu le prends. Hop. Donc voilà. Voilà. La surprise. Alors c'est quoi? Le Garrett 300X. C'est mieux que le S150? Bah oui. Ouais. Ah, déjà oui. On a plus de mode. Ouais. Après on a les... Sensibilité. Non, c'est pas la sensibilité. Non, ça. C'est... Il n'y a pas de sensibilité. Comment ils disaient... C'est pour... c'est un nombre pour... par exemple, je ne sais plus, la 80 comme ça. Il faut. 80 comme il faut, ça ouais. Va être... conductivité. Ah ouais, c'est en gros l'intensité du signal. Non, mais non. C'est 80 par exemple. C'est il va jusqu'à combien? 20 cm et plus. La conductivité. Bah, le nôtre il fait 6 cm et 6 pouces et plus. Ça fait 15 cm. Et ça fait c'est des balles. Des cartouches. Oui, des cartouches. Oh ben. Il y a du journal. Hein. On va avoir de la lecture. Ah, il nous a mis un casque. Ah bah. Comme ça, t'auras ton casque, super. J'aurai mon casque. Ah bah, c'est super gentil parce que c'était pas prévu. Puis il y a autre chose, je crois bien. Le sac à pièces. Bah oui, comme on l'a nous. Bah non, nous on l'a pas. Si, le sac à pièces, comme ça, on en a un. On en a un petit sacoche. La petite sacoche. Bah, c'est pas de Garrett. Le loup. Non mais ça fait une seule. Oui. C'est... Mais là. C'est ça. Là c'est la Garrett. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est le protège. C'est la protection. Attends, c'est ouais. Ça. Oui, je sais. Trop bien. Donc, super gentil hein. Vas-y, tu filmes là. Ouais. Oui. Donc là, il nous a mis le casque avec. Ouais. Donc, comme ça avec maman, bah, on aura chacun notre casque. Et un protège pour ça là, pour quand il pleut. Super. C'est très gentil. Ouais. Il nous a laissé un peu de journal aussi. Pas qu'un peu. Tout. Toi, un physique paintball. Ça pourrait. Si, il nous a mis le protège avec. Si, il y a le protège. Il y a le protège disque avec.
Alors qu'est-ce qu'on... Il vous a mis la totale. On dit quoi? On dit merci Régis. Il nous a mis la totale. Super. Super gentil. Parce que en fait, regarde, si je mets sur les reliques, ouais. J'éteins, je voilà. Puis par exemple, on est une prochaine sortie, je rallume et directement, pouf, sur bijoux. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse sur bijoux. Ouais. Oui, en fait, le bijou, ça enlève tout ce qui est ferraille, en fait. Mais ça laisse si on trouve des pièces ou des choses comme ça. Ça va nous laisser par exemple les cartouches. Oui, je pense, je sais oui, pas. Oui, bah oui, parce qu'en fait, cartouche c'est 80 fixe. D'accord. 80 je sais fixe. Pas ce que c'est, mais je te crois. Ça après, je sais pas de tout c'est quoi. Mais on regardera. Bon. Mais regarde. On voit quand est-ce qu'on a plus de. Oui, bah l'autre aussi. Ah bon? Ah non, l'autre, ça, non, met, ça met que quand il y en a plus quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, ça, on regardera ce que ça veut dire après. Hein. Vix. On essaye juste vite fait pour voir ce que ça donne dans le jardin, du coup. Peut-être que mon grand-père a perdu ses sous dans la pelouse. Bah, on a déjà fait, mais on a rien trouvé. Tu veux aller dans le jardin plutôt? Je pense que tu vas trouver grand-chose. Ah, tu nous dis ce qu'on cherche là? Une pièce de sans zloty que ma maman a cachée. Et en fait, j'avais un copain qui venait à la maison. Et pour nous occuper, ma maman elle a caché des objets. Des objets, ouais. Un peu partout. Un peu partout dans la maison. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout trouvé. Non, on a trouvé deux choses. Que j'avais cachées. En fait, c'est-à-dire le fer à cheval avec un clou? Non? Non, j'avais trouvé juste. Et la vis. Oui, et la vis. Le fer à cheval et une vis. Ouais. J'avais trouvé plein d'autres trucs et tout. Sauf ce que j'avais caché. Sauf que maman, elle avait caché. Et maman, elle avait caché des pièces, alors pas top. Du coup, on a été chercher une pièce qu'on a eue avec le garage parce qu'elle est là, mais à l'autre. Ouais. Et du coup. Il en manque une. Il en manque une. De 100 zlotys. Alors ça fait à 21 euros. C'est ça. Donc en fait ici il y a 21 euros 20 euros caché voilà. Sur les tables. Mais alors je sais plus si c'est ici ou un peu plus loin, donc on va, parce que là ça sonne, mais est-ce que c'est pas le jeton de caddie? T'as caché un jeton de caddie? T'es sérieuse? C'était la surprise. On a déjà creusé là, mais on n'a rien trouvé. Puis il commençait à pleuvoir et faire vraiment très très noir. Ouais, du il faisait pas beau. Rentré. Du coup, on est rentré, ouais. Bon, je creuse beaucoup là, je trouve. Hein? Vas-y, va. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, avant qu'on commence à bien comme il faut le manier pour aller faire des plus grosses sorties,
faut qu'on commence à... Faut qu'on apprenne à comment ils fonctionnent, à quoi les boutons servent. Tous ces boutons-là. Les sons différents, etc., etc. On va regarder tout ça. On va regarder le manuel. On va regarder... je pense qu'il y a des vidéos explicatives sur YouTube, sûrement. Après, il y a ça. Ouais. Je ne sais pas du tout ça, à quoi ça sert. Bah, regarde, il y a une cible. Alors, est-ce que c'est pas pour cibler... Peut-être, je sais pas. Donc, attends. Ah ouais. Peut-être c'est pour cibler, non? Alors sur le lit, ouais, on fait de la détection sur le lit, super. Donc là, ça me sonne du... Un peu de tout. Ouais. Donc je change... Attends. Et je vais cibler. Donc on va apprendre à déchiffrer les boutons là, tous ces boutons. Ouais, les sons. Voilà, les sons. Donc moi je sais déjà un son, je crois que c'est ça, ce que j'ai vu sur une vidéo que je regarde. En fait, quand ils sont dans les forêts, ils trouvent des balles, des cartouches. De mousquet ? Des petites balles rondes, tu veux dire ? Ah non, des cartouches. Des cartouches, quoi, d'accord. Des cartouches de chasse. Oui. Des fusils de chasse. D'accord. Et ça sonne du 80 fixe. D'accord. C'est-à-dire que ça va sonner sur 80, le nombre 80, et ça va rester sur 80 à chaque fois. D'accord. Qu'il y en a où ça va faire 70, 71, 70, 71, 85, 85, et ça va faire que de bouger comme ça. Donc okay. Là, après, on peut pas trop savoir. Après, par rapport au son, c'est... exemple, s'il est plus grave, ça va faire un son... si ça fait un son grave, c'est plus des gros bouts, des bouts de ferraille, en fait. D'accord. Et si ça sonne aigu, c'est pas mal. Faut okay. creuser, quoi. D'accord. Bon, bah, on va étudier tout ça avant d'aller faire une belle sortie et trouver des trésors. Ça serait bien. Un grand merci à la personne qui nous a vendu le détecteur. Il nous a donné un disque, un casque et une protection de pluie pour, ouais, ceci. Pour le boîtier. Pour le boîtier. Donc, c'est plus 4 piles. Donc, c'est franchement un grand merci parce que c'était mon papa, ma maman et ce monsieur-là n'en avaient pas parlé dans leur discussion pour... Pour les accessoires. Pour les accessoires. Donc, pour les c'était une belle surprise d'avoir ouais. tout ça. C'est des choses qu'on n'a pas rachetées pour le coup et c'est cool. C'est bien. Et une petite chose, l'appareil est en très très bon état. Voilà. Super bien emballé pour la livraison et voilà. Notre journal. Voilà. Avec un peu de polystyrène mais qui est cassé sur le dessus pour bien. Mais il y en avait en dessous aussi, t'as pas vu ? Oui, je sais. Ouais. Mais voilà, c'était. C'est une personne sérieuse et on tombe malheureusement sur tellement de gens peu honnêtes que là, ça fait plaisir quand on reçoit une belle machine qui vaut assez cher, en très très bon état et en plus avec des accessoires en plus. Et comme on l'a reçu en très bon état, on va le garder en très bon état, on va faire très attention voilà. et tout ça. Donc ouais. Là, on est sorti dans le jardin vite fait pour l'essayer, hein, on vous avoue... Forcément, hein, on va pas. Il était tout mouillé, on l'a bien essuyé. Voilà. On l'a bien essuyé, on a enlevé le protège-disque. Le protège-disque. On a tout passé voilà. au chiffon et tout ça. Voilà, on en prend bien soin. C'est une machine qu'on veut garder assez longtemps, au moins jusqu'à ce qu'on ait les moyens de s'acheter un. Oui, t'as raison. Mais voilà, on va le garder un petit moment, donc on va en prendre bien soin comme l'autre. Donc en fait, plusieurs personnes nous ont dit que le garage c'était pas très très c'était bien. Pas top, ouais. Mais nous, on a choisi garage parce que on l'a choisi et ça nous convient très bien. Et puis, il y en a qui nous disent « Ouais, mais garage c'est nul et tout ça. » Mais peut-être qu'ils disent ça, mais en fait, ils l'ont peut-être pas essayé. Ils ont peut-être commencé avec un autre détecteur, mais ils n'ont pas essayé garage. Du coup, ils peuvent pas savoir. Et on a eu dans ma chaîne, dans les commentaires de d'une vidéo de la détection, on a eu plein de commentaires en disant « Ouais, c'est trop bien avec le garrette. » J'ai commencé avec le garrette. Voilà. Je l'ai gardé pendant 3 ans.
ça me convient très bien et tout ça. Voilà. Après, il y a des gens qui aiment pas Quest, il y en a qui aiment pas le Garrett, il y en a qui aiment pas un autre, il y en a qui aiment pas un autre. Voilà. Je pense que chacun choisit son détecteur et qu'il y a, certainement des meilleurs, forcément, vu les prix et la technologie, il y a certainement des meilleurs que Garrett, hein, c'est sûr. Mais bah, nous, c'était une très très bonne occasion, ce détecteur, et bah, il nous convient pour l'utilisation qu'on en a. Ouais. On verra au fil du temps, peut-être qu'on changera et qu'on achètera peut-être un Quest Q40 ou un Deus, je sais pas quoi. Deus. Ouais, juste Deus. Il y a pas. Il doit y avoir un nombre. D'accord. Mais, mais voilà, pour le moment, le Garrett nous convient. On va voir le 300X qui nous donne. Le 150, bah, nous convenait aussi parce que on passe pas 4 heures dans les champs non plus à détecter. On fait des petites sorties d'une heure, une heure et demie. On n'a pas fait de champ. Non. Mais je vais voir avec un copain de l'école, et son papa est agriculteur, et un très très grand champ. Et je vais voir avec lui s'il pense que ses parents seraient d'accord. On va aller leur demander l'autorisation, voilà. Mais voilà. Oui, ils n'ont pas qu'un seul champ, mais oui, voilà. Oui, plusieurs. Voilà. Mais bon, bah voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Ouais. Sur le Garrett, en tout cas, n'hésitez pas, si vous connaissez la machine, c'est un Ace 300i. Si vous connaissez un peu comment il fonctionne, etc., et que vous avez des petits conseils à nous donner, eh ben voilà, on prend avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, des petites surprises et tout ça. Lâchez un gros pouce bleu. Des petites surprises comme ça, maman elle va pas acheter des petites surprises comme mais ça tous les jours. Mais non, mais pas acheter, mais pas dire aller chercher des colis comme ça. Mais par exemple faire une petite surprise, faire une petite surprise, par exemple comme on avait fait avec la science, les cristaux. Oui. Je comprends. Des petites surprises à ce prix-là, on va pas y en avoir souvent, hein? Ouais. Ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Commentez et partagez cette vidéo et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Bye bye tout le monde. Truc. Parce que moi je sais pas. Hein. Donc bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pardon. Ok, super.